Le traitement d'entretien, il est surtout utilisé dans les lymphomas indolents, les lymphomes de Bagrat, qui sont des lymphomes que malheureusement encore aujourd'hui on ne sait pas guérir. Peut-être qu'avec les nouveaux traitements, on va obtenir un plus grand nombre de patients qui survivent très longtemps et qui peut-être sont guéris, parce qu'à 60 ans, vivre 25 ans, même avec un lymphome, s'il est encore là à 85 ans, c'est probablement aussi être guéri. Cependant, aujourd'hui, c'est retarder l'apparition d'une rechute de la maladie, d'une progression de la maladie qui va nécessiter un nouveau traitement cytotoxique. Ça, c'est un concept qui est très important en cancérologie, c'est celui de la cellule souche cancéreuse, terme un petit peu ambigu, mais qui existe, c'est les cellules qui repeuplent la tumeur. Il est important de dire que si on savait bien identifier ces cellules, on ferait un progrès important dans le traitement parce qu'on pourrait définir des molécules qui les ciblent. C'est clairement les cellules qui sont à l'origine des rechutes tardives. Aujourd'hui, il faut les identifier, les caractériser et développer des médicaments qui les ciblent. C'est un des grands enjeux très général dans la cancérologie qui n'est pas propre au lymphome et qui devrait nous conduire à faire de nouveaux progrès. Ce congrès dans le domaine des lymphomes, c'est un congrès peut-être un peu de transition. Il n'y a pas eu énormément de résultats révolutionnaires. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été présentées avec une ancienne molécule qu'on appelle la bendamustine, qui est une molécule de chimiothérapie classique avec certaines toxicités sur le plan hématologique à certaines doses, donc des risques de baisse de globules, de fièvre, moins de toxicité sur d'autres organes. Donc une drogue intéressante, mais dont il faut mieux définir la place parce que, bien qu'elle soit ancienne, on ne connaît pas ses effets à long terme. Puis je pense qu'il faut avoir un recul à plus long terme, notamment sur la survie des patients et sur l'absence de complications à long terme, notamment chez les patients les plus jeunes, parce que, une fois de plus, quand on a un lymphome et que les patients vont vivre 15 à 20 ans, il ne faut absolument pas que le premier traitement puisse compromettre l'utilisation d'autres traitements ultérieurement. Beaucoup d'études qui avaient trait au développement des nouveaux anticorps, anticorps monoclonaux de deuxième, de troisième génération. On a vu des présentations avec les équipes françaises, avec le GA101 par exemple, un nouvel anticorps qui se révélerait plus efficace que le rituximab, peut-être, en tout cas de manière expérimentale. Et puis des combinaisons de médicaments qui permettent de potentialiser l'effet des anticorps. Et on se dirige peut-être, notamment dans les lymphomes indolents, vers des traitements qui comprennent de moins en moins de chimiothérapie et de plus en plus de thérapies ciblées et d'immunothérapie qui devraient se révéler, on le souhaite, plus efficaces et moins toxiques pour les malades.